se déplacer de chez moi pour venir ici parce que le combat est noble. Nous ne voulons plus ce genre de choses en Afrique. Chaque Africain qui meurt, c'est moi qui meurs. J'en souffre. Et cet Africain qui meurt n'est pas moins que Alpha Condé. Tout le monde a droit à la vie. Et j'ai vu cette vidéo-là qui est indignée. Je ne peux pas soutenir Alpha Condé qui ne condamne pas ces policiers qui ont pris en otage, en bouclier humain, cette femme, cette pauvre femme. C'est pas possible. Parce que je vois, lorsque je publie certaines choses sur mon mur, des gens qui viennent dire que... Excusez-moi, c'est pas pour parler de ça, mais des peuples qui veulent prendre le pouvoir des malinqués. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est la Guinée unie. Et il y a des milliers de Guinéens qui peuvent prendre la place de Alpha Condé. Il n'est pas le seul Guinéen. Je ne suis pas contre Alpha Condé. Je ne le connais même pas. Je n'ai pas de lien avec lui. Je ne supporte pas l'opposition. Parce que oui, ils étaient là, ils n'ont rien fait. Mais nous voulons une Guinée apaisée où on tue personne pour le pouvoir. Nous voulons des élections libres et transparentes. C'est ça que nous voulons en Guinée. C'est pourquoi je viens soutenir la société civile FND, si je ne sais pas, FNDC, je ne sais pas si je me trompe, qui ne veulent pas la modification. Tout ça, c'est pour que la paix revienne en Guinée. Et je soutiens cette initiative. Jeunesse de Guinée, je vous appelle à une prise de conscience. Nous devons barrer la route Alpha Condé. Un individu ne peut pas perturber la paix d'un pays. On ne peut pas l'accepter. Voilà le message que je voulais faire passer. Et c'est pourquoi je me suis déplacé pour venir. Et pour terminer, une convergence des luttes. Parce que l'ennemi de l'Afrique, il est plus extérieur. Alpha Condé ne parle pas, ou la communauté internationale plutôt ne s'ingère pas là-dedans. C'est parce qu'ils ont signé leur contrat avec Alpha Condé pour le vote boxy. Ils ne viendront pas vous sauver. Ils ne sont pas venus sauver le Congo. Ils ne sont pas venus sauver la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus sauver le Mali. Ils ne viendront pas vous sauver. Nous voulons une jeunesse déterminée. Parce que ce n'est pas les femmes qui vont se battre. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les vieillards. C'est vous, la jeunesse. Vous êtes le fer de lance de la lutte africaine. Je dis bien le fer de lance de la lutte africaine. C'est vous. Vous devez être devant, comme Thomas Sankara. S'il faut sacrifier nos vies, nous allons le sacrifier. Mais Alpha Condé ne passera pas. Amour en paix. C'est ça le message. Amour en paix. Amour en paix.